Nous connaissons la première partie, c'est toujours micro-santé. Donc, docteur Ali déjà là. Docteur Ali déjà là, il peut permettre que nous gagnions un petit détail sur qui ça a l'hypothèse pour nous comme sujet ou mettre l'entrée Castel. Donc, docteur A, qui lui-même est déjà là, les jeudis, nous connaissons docteur Manrico Félix qui est avec nous chaque jeudi qui peut micro-santé pour nous. Docteur, bonjour, comment nous est? Bonjour, c'est toi. Bonjour, Max. Bonjour, Richard. Et c'est un plaisir pour nous la matin encore et pour nous porter conseil pour la population qui a fait prévention et qui a toujours été en santé. Nous disons bonjour à Efata Complexe Médical, bonjour à Docteur Dorcius, bonjour avec tout étudiant COPSA et tout membre qui n'a décanat COPSA. Et matin, aujourd'hui, nous allons parler de maladie pied-nerin. C'est une maladie qui existe depuis longtemps, Saint-Anne, qui est vraiment, vraiment, vraiment ancienne, découverte là, qui est faite longtemps. Parce que Napoléon III, c'est un des premiers monde qui a souffert de maladie pied-nerin. Et nous songeons toute l'histoire qui était autour de ça. Napoléon a eu une grosse douleur. Napoléon a pipissant. Il était obligé de différer la guerre, la bataille qu'il a eu pour le faire. Il était obligé de renvoyer la bataille là jusqu'à 3 ans parce que il a souffert avec maladie pied-nerin et finalement il a été diagnostiqué un wash en dans vessie Napoléon. Eh bien, son maladie qui d'actualité et pendant semaine ça pendant mois ça nous venons pile cas de maladie pied-nerin et c'est ça qui justifie et présentation ça matin. Alors qu'est-ce que maladie pied-nerin? C'est une maladie qui caractérise et qui fait que vous avez un wash nous connaissons qui produit dans rein yo ou bien dans voie urinaire yo. Et là nous dit rein et voie urinaire n'a pas les population que tout le monde ko garçon ko fille ko ti monde ko grand monde ou gagne un appareil urinaire qui gagne là dans deux reins, deux utérus, un vessie, un urètre ko garçon ko fille ou ka fait maladie pied-nerin ko ti monde ko grand monde surtout moun des fois qu'on a dit oh yo on ti monde 2 ans rien pendant oui on ti monde 2 mois de 6 mois à 6 ans ka gen maladie pied-nerin c'est comme ça maintenant li caractérisé par la formation de calcul dans et dans voie urinaire yo et calcul yo fait à partir de excès de produits dans sang à partir de son manger son boire ou bien qui provient tout du métabolisme endogène mais le plus souvent wesh ça produit c'est à partir de déchets que rien t'a supposé éliminer avec pipi ou et déchets ça revient empilé sous forme de cristaux ça revient empilé et ben il vient bon pied dans rien et sous pas fait prend pile précaution ou ka gen gros douleur li ka vinn bon infection et ou ka même tomber dans insuffisance rénale c'est une plus gros complication maladie pied dans rien kabaou c'est ça nous relayon insuffisance rénale obstructive côté que yon nan wash yo ou bien wash la bouche yon nan rein yo li fait que pipi a pa ka descend pipi a arrêté dans rien et les pipi a arrêté dans rien quand son déchet li bral toxique pour rien li bral détruit unité fonctionnelle rien qui c'est néphron OK néphron yo donc ça va tomber dans insuffisance rénale obstructive maintenant dans ouvrage et alors pour nous parler de cause qui qu'a fait un monde qui a maladie pied-nerin ou bien facteur de risque, il y a un docteur Félix Legueux qui est un urologue français. Dans l'ouvrage que il fait sur pied-nerin, il parle de différentes causes qui sont capables de faire un monde qui a pied-nerin. Par exemple, il y a un antécédent familial. Par exemple, si vous avez un parent qui fait une maladie, côté que un acide aminé ou les cystine qui pas vraiment réabsorbé, un défaut de réabsorption de cystine. Mais si on a un défaut de réabsorption de cystine, pour avoir une élimination élevée de cystine dans le pipi, c'est un facteur qui a fait une maladie pied-nerin si les parents ont un problème. Ça. Un défaut de réabsorption de cystine qui sont acides aminés. Ensuite, si on a une anomalie anatomique dans l'appareil urinaire, une malformation congénitale dans l'appareil urinaire, c'est un facteur qui est capable de créer un blocage à l'écoulement normal de l'urine. Facteur ça tout capable. Ralenti vitesse pour pipi a quitter rien pour tomber dans vessie et ben ça va créer un stase urinaire mais stase ça il va à l'origine de pied-nerin ça deuxièmement maintenant soit habitué si on est habitué à une infection à répétition infection urinaire surtout c'est un facteur
qui a une bonne maladie pénarien parce que les bactéries ça qui à l'origine de infection ça qui a précipité on sait de sel de phosphate puis bon type de calcul qui est les calculs ou bien pénarien phospho ammoniaco magnésien donc en infection urinaire à répétition qu'on pas jamais traité ou bien qu'on maltraité ou bien qui négligé les cabines forfait maladie pénarien puis devant ensuite on gagne on sait de médicaments soit prend pendant longtemps par exemple et les inhibiteurs protéases médicament qui est utilisé pour le traitement de l'infection à VIH. Et on connaît traitement infection à VIH, c'est un traitement qui est à vie parce que son maladie chronique, eh bien on prend médicament ça pendant longtemps, son facteur qui cabine fait que ou fait maladie pénale d'autant plus que médicament ça le fin utilisé dans corps, il est éliminé par voie rénale. Donc l'accumulation de produits ça surtout souvent qui boit de l'eau, c'est un facteur qui fait une maladie pénale. Ensuite, il y a ça nous dit là qui c'est l'insuffisance de boisson. Il y a un monde qui manque boire liquide mais de l'eau surtout. Son manque boire de l'eau, la fait pipi concentré. Donc cristaux capable empiler une sur l'autre pour venir bon maladie pénarien. Maintenant, il y a un facteur alimentaire là tout. Et n'a précisé, n'a insisté sur ça pour qui ça parce que majorité wash majorité monde nous qui fait maladie pénarien, c'est dans ça manger que mal manger. Le produit, il mange ça, manger en excès. Par exemple, il a préféré à bon manger un peu de tout, mais que le monde tolère manger viande, son gros bol viande. Un peu de tout, on sait que t'as idéal, anti viande, anti fruits, anti légumes, anti céréales, ok? Il t'a équilibré, mais que le monde qui tellement aimé, qui sont amants de viande, le monde a mangé viande, son gros bol viande de viande, le monde a mangé poisson tout, son gros bol poisson de viande. Alors nous pas dire que poisson va y peiner, mais on a parlé de excès. Excès alimentaire, c'est un facteur tout qui a fait des maladies pénales, surtout si on consomme un peu de viande rouge. Ok? Et c'est un facteur qui a fait des maladies pénales. Ensuite, il y a aussi des maladies tout qui prédisposent ou qui a fait tomber des maladies pénales. Par exemple, si vous avez un diabète, ou avez une hypertension, ou une dyslipidémie, ou obèse, ou avez un peu de graisse, un peu de cholestérol. Cholestérol dans l'organisme, c'est des facteurs tout. Qui c'est le facteur de risque pour avoir une fête pénarien. Maintenant, lorsque la maladie pénarien qui vient manifester, eh bien, au cas gain, on va jamais connaître. On va jamais connaître parce que on n'a pas gros, on ne va pas connaître ce gain. Mais cependant, second, l'autre problème dans l'organisme qui motive à l'hôpital et que le docteur Satabo fait un scanner et des voies urinaires, ou bien le tabo fait une radiographie simple de l'abdomen, ou bien le tabo fait une sonographie des voies urinaires ou bien abdominales. Di ka elle ça l'a dit que yo wè ou gen pied nan rien alors qu'on pa janm konnen. Donc c'est une première bagarre là ou ka gen pied nan rien ou pa janm konnen. Mais cependant le pied nan rien a manifesté. Li manifesté par un phénomène, le l'a manifesté dans forme vraiment aiguë, forme vraiment atroce là. C'est un phénomène que les coliques néphrétiques, crise de colique néphrétique qui c'est un gros douleur qu'on gen. On douleur que yon classé parmi douleur qui pi du que yon monde vivant ka supporter. C'est yon gros douleur. Son douleur nan forme générale li, li commence bo flan bo rein, li descend bo lin non. Li tombe en bas tivan tout. Et puis li référé nan testicule et ça fait nèg ki gen pen rien. Des fois le kon douleur senti testicule a éclaté parce que douleur a référé nan testicule là. Tandis que maladie en pas nan testicule là, maladie c'est nan rien lié. Mais si nous suivons les trajets nerveux, eh bien, douleur qu'on irradie dans les testicules là. Même j'en fie en tout. Laissez fie à gain crise de colique néphrétique, ça qui dû, surtout avec une maladie pénale, eh bien, fie à douleur gain quoi douleur bon côté li qui vire en bas de li qui passe sous deux bouboni et qui gain tendance que gad lève à clitoris li a éclaté tellement douleur ça fort et le douleur ça est exprimé. Di qu'on accompagne tout de signes digestifs. Mon obligé à vomir. Mon s'il pas vomi, il gagne nausée parce que son douleur qui est atroce. Maintenant, lors comprendre mécanisme que corps utilise pour laisser jeter au chiot le envie tomber, eh bien, ou va le comprendre pour qui ça le mon a pipi des fois, l'elgue pénal, le pipi sang. Parce que le wash là descend dans canal qui c'est les utères la cap qui terrain. Wash là alors canal ça yo doué yo gen onse de muscle lisse là d'ailleurs yo doué de un mouvement que le péristaltisme ça veut dire organe ça yo même j'étais quoi alors déglutir le va manger automatiquement manger a fin quitter arrière gauche ou pas en contrôle li encore
mais malgré pas contrôle li manger a continuer à descendre c'est ou pas contrôle li parce que muscle ça organe ça doué de un mouvement que le péristaltisme qui permet la progression des aliments au fur et à mesure pour passer pour sortir là pour tomber dans bâtiment encore et ben il était là tout qui gain musculis li gain mouvement ça tout les roches là qui terrain pour descendre grâce avec mouvement péristaltisme ça il était là fait tendance pour voyer roche descendre dans vestia voyer le descendre dans vestia et nous connaît que trajet était là long. Il était là en moyenne, il mesurait 25 cm de long. Donc, deux reins avec vessia, au chat de parcourir 25 cm pour tomber dans vessia. Et mais dépendamment de dimension de roche, il y a une zone dans le là, au chat qu'on vient couler. Parce que le diamètre de là pas même dans tout niveau. Lorsque tu es pour tomber dans vessia, il y a un côté le plus large, un côté le plus fermé. Et ça fait que diamètre là, c'est 3 à 5 mm. Il y a un côté le 3, il y a un côté le 5. Et mais le on roche, quand ça arrive, il y a un côté 3 mm là. Yo te la fait mouvement pour vous il tomber dans vessie et ben wash ça lui-même il va créer des lésions des traumatismes au niveau de endothélium épithélium qui tapissé yo te là et ben ça va créer des lésions des microtraumatismes à ce moment-là il va le sain et ça vient expliquer le homme une douleur pied dans rein des fois qu'on ressent dans pipi ou donc en dehors de ça dans pipi pour tout l'homme une pied dans rein il ca fort pas ca pipi bien second gros wash qui tombe dans vessie qui fait quelques mois, quelques années, qui était dans le vestiaire, qui n'est pas sorti de eux, mais roche ça capable de venir tellement gros, les boucher canal urètre là, col vestiaire pour pipi à sortir de eux. Et ça fait, on a pipi comme ça, pipi à camper, on pousser, pousser, après ça, il n'y a pas de camper, après ça, on commence. On vient une mixtion fractionnée, on commence pipi à camper, parce que roche là vient tomber dans la barre là, on pousse, 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 on souke quoi, on a un peu de pesant, bâti, ventre, roche a bougé, pipi a passé. Après ça, pop, il est bloqué encore. Eh bien, ça c'est mec c'est roche là qui a fait ça et dépendamment de progression roche là tout si roche arrive tomber dans canal urètre là urètre là pour sortir dehors et eh ben on li ka vinn bo yon disuri total quand on vinn gon diminution de la force du jet mictionnel ou pas pipi li pas tirer vraiment pipi a tendance tomber sous pied ou parce que gon obstacle dans canal là donc c'est ensemble de symptômes signes ça en général le monde gagne bien rien li kon gagne et facteur ça qu'on est motivé mon ça pour aller à l'hôpital et arriver à l'hôpital lui-même et urologue là obligé faire sonographie pour maintenant pour regarder rein vessie pour regarder localisation roche si gain roche et pour regarder combien roche yoé et sonographie à tout permettre de mesurer rein hein, pour gagner dimension hein, parce qu'on est chaque rein normalement supposé mesurer 12 cm de long 6 cm de large et 3 cm d'épaisseur en sonographie à bas ou si rien a vienne plus gros parce que gain de l'eau qu'elle donne rien a vienne gros gain donné fausse parce que roche a bloqué sonographie a monté ça tout et puis comme selon livre ça que docteur Félix Legueux urologue français a été publié il dit tout gain et plusieurs types de roche gain de roche là fait sonographie à ouel parce que il est sensible avec ultrason que sonographie a voyé mais gain de roche tout c'est radiographie qui peut montrer gain de roche tout c'est rayon qui peut traverser qui peut permettre ouel et gain de roche tout c'est scanner là pour faire pour capable ouel donc c'est la raison pour laquelle on obligé faire tout examen ça au patient afin qu'on ca joindre diagnostic là et pour qu'on ait idée de qualité roche que il gain dans vessie et maintenant allez exactement même roche nous étudier dans géologie ou c'est même 90% c'est même bio parce que c'est minéraux qui fait yo c'est minéraux qui fait yo OK et mais on pourrait l'ob garder yo même consistance même aspect avec roche ou dans la rue et moi c'est next time je dis prochain m'a venir avec on sait le roche pour montrer nous que nous retirer dans rien nous retirer dans vesti c'est même bagarre avec ce qu'on dans la rue ou ça dit tout à l'heure et on mange trop viande il capable baler toute qualité viande n'importe qui vient de manger surtout la viande rouge. OK. Viande rouge, nous parlons de bœuf, cochon, cabrit et viande poule là, les moins susceptibles pour bien rien, ça fait yo dit qu'à manger modérément viande rouge. Et on dit viande poule. On dit conserver alcool en pile, consommer alcool. Alcool tout c'est une bagaille qui ca bo bien rien, mais c'est pas lui qui a baou directement. C'est parce que l'alcool va créer une déshydratation la caillou. Or l'eau déshydratée, puis pour venir concentrer mais Christo yo kounia ba l'empile yon solot pe bo bien rien y compris bière faut di moun bière ça y a des moun qui prétend les consommer bien en pile nettoyer alors ça fait dit ça parce que on est il faut pipi on dit diurétique organisme pour éliminer alcool là la faut pipi et mais l'ol faut pipi kounia mais moun yo penser que roche et bière là fait yo
et puis se le faire pipi en bille, même j'ai avec le coco et dit ni bon pour bien mais non. Au contraire, c'est libre le favoriser au fait bien. Je parle de boissons que mon cap prend et surtout de l'eau. Ou peut-être en guise de prévention. En pile d'eau. Mais on te dit surtout de l'eau. Qui oui. L'autre boisson comme ça? De l'eau cocoée, c'est une. Ok. Ok, mais il préconise de l'eau minérale surtout. Mm-hmm. Nous ne pouvons pas faire publicité pour Evian, mm-hmm. mais Evian, c'est une. Nous ne pas faire publicité pour Evian, mais c'est une de l'eau mm-hmm. minéralisée qui a presque moins calcium là-dedans. Mm-hmm. Donc en général, nous avons dit toute de l'eau minérale, mais ça qui a moins calcium là-dedans, okay. notamment Evian. Mm-hmm. Maintenant, pour traitement, pour nous finir rapidement, pour traitement pénarien, et nous avons toujours dit que nous avons un avis, mais non, ce n'est pas vrai. Il y a un traitement pour maladie pénarien. Traitement commence d'abord par le traitement de la douleur sous une crise là, il y a bon anti-inflammatoire pour douleur. Deuxièmement tout, il y a des médicaments qui sont des alpha bloquants qui permettent ou éliminer roche là si roche pas gros en 3 à 5 mm si roche gros sur 3 à 5 mm, là prend et alpha bloquant peut être éliminé dans environ 4 semaines. OK? Maintenant si roche là gros maintenant, il pas capable dans canal là. Des fois qu'on est obligé d'opérer pour lui. Mais il y a une opération pas toujours une opération ouverte. Il y a une opération qui est les lithotripsies extracorporelles, qui sont opérations avec laser, qui permettent nous-mêmes, urologues, nous craser, ça ne pas fan maintenant. C'est une machine qui est en couillant un scanner. Tant qu'on scanner, mais qui pense que les gens couchent en balle, et puis il y a des ondes de choc que la machine a délivré parce qu'elle localise les rochers dans rien. L'el crase li fragmenté après ça mon a pipiti morceau yo morceau par morceau les mon enlevé ou pas grand ken cicatrice ça c'est un traitement révolutionnaire pour et qui était toujours existé d'ailleurs pour pied en main malheureusement il y a limite li depuis au chat supérieur à 20 mm il pas craser les ça ou va le faire ou va l'obliger recourir avec l'autre méthode là qui c'est la chirurgie ouverte qui c'est l'autre méthode pour retirer gros roche roche moi dit m'a porter ba nous wayo c'est gros roche que nous obligé fan rien au pays patient pour nous retirer. Donc moi c'est tout ça que présenter matin tout à fait. Mais bah nous question bah nous elle permet aux auditeurs de poser quelques questions sur sujet ça. Donc 49 42 22 44 42 22 22 c'est numéro ça ou capable briller pour poser docteur questions sur sujet ça la parler de maladie Pierre-Henri. Donc matin nous déjà gagné 11 amis. Ah, allô bonjour. Bonjour Caraïbe. Bonjour. Bonjour. Et moi, je suis participé avec nous matin. Hein? Salut Panella, salut Bifea. Salut à tout. Moi, je suis un cadre qui fait bien. Hein? Mm-hmm. Et dernière fois, je suis allé à Camisa, il y a 2 ans. Je tiens à dire que c'est fini à fond. Parce que si j'étais mis dans le travail, je ne vais pas camper, je ne vais pas bien. Et puis, je me sens. Il y a un pied chaud. Même si je gratte, je ne pas sentir rien. Le coup, je savais dans l'hôpital sur l'aéroport Benameuse, en parlant. Et il y a là, il prend moi dans l'urgence. Et puis, après la sonographie, je me fais bien. Il y a presque un délai pour me prendre. Je commence, je me prends, parce que je suis fini. Peut-être 6 mois après encore, je chute. Et là, le docteur a vu que moi, il a fait un peu de moi, aller dans l'agent ASP couché, pour le bouli. Je porte le bouli, et puis je localise un gros roche. Et puis, je me dis, bon, c'est fini à fond de moi. Je dis, allez, après 15 jours, maintenant. Je vais prendre le médicament. Même toi, le travail, je ne vais pas aller acheter le médicament. Le deuxième matin, avant de commencer le travail, je me suis une boisson dédiée qui ne va pas me citer, mais je me dis que je ne vais pas utiliser. Et puis, depuis qu'il y a un bébé, je crois à lui, puis il a coupé. Même senti qu'on va sortir dans une zone collée vertébralement. Et puis, je me poussais, puis il y a des dans une noire. Je courais pour elle. Même si je ne vais pas continuer, puis il y a pas parce que je me blessais. Ou qu'on est bien avec celle-là, je ne vais pas le faire mal. On me chute en côté. Rété, c'est qui me dit, à mon temps, on me font tibas, chercher le petit. Après ça, m'a l'écoute médecin, on montait le roche là. Il dit, bon, c'est bien, et pas d'opération encore. Mais il dit, vous me faire SPA, encore pour Bali, comme résultat, ben, t'es gagné une turbulence politique, jeune bloqué, mine barrelle. Et puis l'autre, on me néglige. Mais des fois, on me dit, j'ai des douleurs. Même quand on parle là, on me dit, douleur. Alors, moi, qui ça qui fait ça? Est-ce que me carré, ouais, on y roule encore? Et pour me plus sûr, c'est pas et même bien qu'à paniquer. Mm-hmm.
D'accord, maintenant, il n'y a pas dit qu'il boit son deuil, mais ça, moi, c'est d'alcool à la palle, il le boya. Okay. Et puis là, le pipi, il le sauté. Ou donc, moi, sauté, il va boire une dépense pour lui. Oui, alors, ça arrive. Et ça arrive souvent, parce qu'il y a un lit de pipi wash là. Mm-hmm. Mais ça, pour nous connaître, c'est que, en général, le plus souvent, wash, par contre, pour compte, il va prendre un seul wash. Mm-hmm. Ça arrive qu'il y a plusieurs wash dans rien. On peut gagner deux tailles différentes, gagner qui pigot, gagner qui petit. OK? Ça arrive que ça au pipien, c'est pas les mêmes travaux opérés pour lui. D'ailleurs, pour poser indication opératoire là, il est basé sur grosseur wash là d'abord. Il est basé premièrement sur grosseur wash là. Il est basé sur localisation wash là, c'est le navet, c'est le navetteur, c'est le navet. Il est basé sur densité wash là. Son toi gon son cap jouer la cour. Et Castel, gon son cap jouer la cour, et c'est juste ça pour nous. C'est un problème. OK. Il basé sur nous dit que l'indication opératoire là pour opérer un patient pour bien rien, il basé d'abord sur grosseur wash là, dimension, deuxièmement sur localisation parce que wash là doit rien, le canal hôtel, le canal vessie, troisièmement tout, le canal vésicule biliaire tout, les ça parce que gagne monde qui gagne et pierre dans fiel, il basé tout sur densité wash là. Et c'est ça que bal faut poser indication opératoire là. Maintenant en général logon wash dans rien, il connaît pas souvent un seul wash. Vas-y, wash là, il possibilité passer dans urètre là. Dans l'urètre là, la tombe dans le vessie, la passe dans l'urètre là, c'est son wash qui est entre 3 à 5 mm. Ok? La capacité. Probablement, il jette yon là de yo, et s'il toujours une douleur, ça veut dire pigoua, probablement il rete. Il va coucher tel. Ben, pour l'autre ami, allô, bonjour. Allô? Bonjour. 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 Oui, moi, il est pour émission, oui. Oui, docteur Abtado. Allô. Vous mettez parler tête dans téléphone là et puis poser question à docteur Abtando. Oui, me défend déplacer c'est que oui. Ah, dis l'éloigner. Aïe. Oui. Kounia. Voilà. Non, perdu lui, ben nous prend on l'autre zami sous 49 K Bambola, on est là. Allô, bonjour. Allô? 49 42 22 22 44. Allô? Oui, bonjour. Oui, d'accord. Papa a qui vient de faire pour un traitement ou bien. Bon, c'est on faut avoir un urologue. En attendant, faire pas boire un pile de l'eau. Et si on chape pas goul, qu'a jeté, mais c'est un urologue doit voir pour ça. Vous gardez grosseur wash là, etc. Tout à fait. Ban pour l'autre ami. Aïe, il me gêne un peu du lit. 49, 42, 22, 22, 44, ban pour là. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Mm-hmm. Oui, monsieur, je n'ai pas connu si on a hémostermie, est-ce que c'est bien qui fait ça? Docteur, t'as une question. La réponse. Il y a hémospermie, hein, c'est la présence de sang dans le sperme. Le cas dit tout hématospermie. Au fait, c'est un problème qui est lié avec prostato. En général, c'est le prostato enflé, il y a un bon hémospermie. Ensuite, il y a un second urétrite tout, urètre enflé, à la suite d'une infection sexuellement transmissible, à chlamydia, gonocoque, à trichomonas, il y a fait. Quand elle l'a enflé, quand elle l'espère m'a sorti, il tout sorti à sang. Mais généralement, c'est le secondaire en infection. Ce n'est pas bien qui baoule, il plus en infection. Mm-hmm. Ben pour notre zomina, aïe. Il y a besoin de seul garçon qui a pris, le seul garçon qui a gagné. Non, allô, bonjour, c'est mon femme qui a gagné. Garçon qui seul garçon qui a pris. Allô? Mais il est plus présent qu'un garçon? Oui. Allô? Oui, le capitaine. Oui. Allô? Oui, on va te parler de Captain Do. Allô? On va te parler d'amitié. Oui. Bon, il n'y a pas qu'à sauter bien. Semble téléphone, les amis. Il y a un petit problème. On a pris deux derniers amis. Sous 49, 42, 22, 22. Sous 44, 42, 22, 22. Bon, petit problème de communication là. Mais ouais, appel manqué au cap monté. Et moi, il a le téléphone, il a monté, et ben, je vais prendre ça là pour moi, si je suis capable. Allô, bonjour. Bonjour, Martin Caraïbe. Bonjour.
et fait que m'étais déplacé m'étais dit docteur t'a parlé de Pierre Henry m'étais mais qu'on est motif Pierre Henry parce que moi en pile de l'eau même tout ressenti ceinture m'a fait mal est-ce que ça cause et Pierre Henry non dit ceinture qui cause exactement pas très avancé on a dit ceinture pourtant et va aller même qui cause tout ce problème là allô Florence Missé. Allô? Bon, j'ai plus attendu qu'il est sous télévision hein, ou bien. Et, donc, bon, par contre, donc, sous le cas, je me demande des pour lui. Bon, bon. Et, oui, oui, normalement, c'est comme ça que tu as attribué le dit ceinture à faire mal. Mais, auditeur, de connaître, dans la ceinture, il y a plusieurs structures là-dedans. Il y a un zoo qui est dans la ceinture, il y a un zoo bassin, il y a une colonne vertébrale là-bas là-dedans. Si vous voulez, vous avez une arthrose, vous avez un bord dans la ceinture. Ensuite, il y a un muscle dans la ceinture, il y a un muscle fessier, il y a un muscle en chou. Si on voulait un muscle, tout, on voulait un sciatique par exemple, il y a un douleur dans la fesse, référé dans la ceinture, il y a un douleur dans la ceinture. Si on a une infection, tout, il y a un douleur dans la ceinture, mais aussi, si on a un pied dans la rein, il y a un douleur dans la ceinture. Malgré que l'eau a toujours une douleur, eh ben, ce n'est pas seul de l'eau qui gagne pour faire prévention pied dans la rein, pour traiter pied dans la rein. On a besoin de médicaments si c'est bien dans l'organe et suivant le grosseur, on a quand même besoin d'opérer. D'accord, bon, pour donner un doc, mais pour me prendre, c'est vous qui voulez l'aller. Bon, pour là pour moi. Allô, bonjour. 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 Enfin. Bonjour, bon, moi, et puis dernier mot. Allô. Allô. Oui, mais bonjour. D'accord, donc tu as parlé pour. Bon. Ok. Tu as fait examen. Effectivement. Et leur fille enceinte, s'il y a un pied dans la rein, elle est plus susceptible pour développer une crise de collecte fétique. D'ailleurs, même si la fille n'a pas de pied dans la rein, elle a une douleur pied dans la rein. Même s'il n'a pas de pied dans la rein. Pour qui ça? C'est parce que dépendamment de grosseur bébé qui est dans la matrice, le bébé a tellement développé et on connaît la matrice qui est placée en avant et au-dessus de la vessie, du point de vue anatomique. Mais là, elle commence à grossir, bébé a grossi, dès qu'on appuie sur l'utère là, elle réduit le calibre de l'utère là. Elle vient faire même pipi, normalement, elle va passer bien des fois. Des fois, on est obligé d'installer un centre WJ dans un monde, juste pour pipi à passer facilement. Voir maintenant s'il était déjà gagné dans un, eh bien, grossir ça, son facteur. De non, mais elle dit, il était gagné, elle finit à coucher, elle part ressentir. C'est la privée. Voir même s'il était gagné pendant déjà, eh bien, grossir ça, qu'on a, c'est un facteur qui va le faire pire, va le plus problème. Eh bien, elle l'a couché. C'est normal, parce qu'il était aussi une vide qu'on a, pas qu'un poids qui a pu être investi à l'écran de terre là. Donc, les douleurs a diminué. Mais ça pas vrai, dit que Pierre n'a pas là encore. Okay. OK, donc l'étape toujours besoin font suivi pour garder si bien toujours là mais le doit connait que c'est grossesse ça qui te favorise sur le douleur s'il te gagne d'abord bien voilà. OK, donc eh ben merci un peu donc on était vraiment content gagne un petit résumé et puis un numéro de contact. Nous avons parlé maintenant de Denel de Pierre nous dit mon yo et tout ça caba au Pierre nous dit des bou gagne rien ou ka gagne Pierre surtout s'il sous bagon si alimentation li va pas vraiment et équilibré. Donc nous dit que on ti fi on ti moun ka gen pien rein, on fi ka gen pien rein, on garçon ka gen pien rein parce que tout moun ki gen appareil urinaire et tout moun fait avec appareil urinaire, rein vessi uter et urètre, ou li ka de pou gen appareil ça, ou ka gen pien rein. Les facteurs qui favorisent pien rein, vraiment c'est sou gen on parent qui te gen un type de pien rein, les calculs cystiniques. OK? Et ensuite sou gen défaut anomalie anatomique dans appareil urinaire qui fait pipi pas couler bien. Il y a un stase urinaire qui était cagé ou qui arrive dans le pied. Ensuite, il y a des médicaments qui sont pris pendant longtemps, surtout à forte dose. Et comme médicaments sont le plus souvent éliminés par voie rénale, les médicaments sont en général prédisposés pour faire maladie du pied. Ensuite, nous disons alimentation, tout, sous consommer en pile de viande rouge, sous manquer boire de l'eau, sous manger en pile sel, sous manger en pile et sous consommer en pile sucre. Ou vin tourner un candidat potentiel pour venir développer maladie pénérée parce que 80% environ moun ki maladie pénérée yo c'est parce que yo fait excès dans sa manger. Donc moi c'est docteur Manrico Félix, moi c'est chirurgien urologue
Numéro de téléphone, moi, c'est 47 48 80 82. Ou ka kite un message WhatsApp, si vous voulez poser l'autre question, sur le même numéro, ça, 47 48 80 82. À la prochaine. Merci un pile, doc. On a appelé aussi docteur Manrico Félix. Avant de nous proposer.